Salut mec, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Kalidou Koulibaly au Barça. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker et de t'abonner avec la cloche, ça reste c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous, nous là qu'on est parti pour parler de l'arrivée de Kalidou Koulibaly au Barça. Sous contrat avec le Napoli jusqu'en juin 2024, Kalidou Koulibaly pourrait enfin franchir le pas cet été en rejoignant un top club européen comme le FC Barcelone. Selon les informations de Foot Mercato, le Barça continue de préparer son mercato estival. Après la victoire face au Napoli en Ligue Europa, la Gazzetta dello Sport nous informe que le défenseur central sénégalais Kalidou Koulibaly, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Azzurri, serait dans le viseur de la direction sportive catalane pour la prochaine fenêtre des transferts. Voyant la piste du bianconero Matisse de Ligt s'éloigner du Barça, le club catalan aurait donc jeté son dévolu sur le champion d'Afrique 2021 avec les Lions qui restent encore hésitants sur son avenir. Le quotidien italien ajoute que le Barça aurait besoin de 40 millions d'euros pour s'attacher ses services. Lui qui avait été courtisé par Manchester City et le PSG, leurs offres ayant été refusées par le club transalpin. D'après les informations de la Gazzetta dello Sport, le défenseur du Napoli, Kalidou Koulibaly, serait conscient d'être arrivé à un tournant de sa carrière à 30 ans. Soit il reste dans le club qui lui a quasiment tout donné, ou alors il se lance enfin un nouveau défi dans un cador européen comme le Barça. Il sait qu'il ne pourra pas le faire en Serie A sans se mettre à dos ses supporters. Du FC Barcelone représenterait donc une véritable occasion pour la saison de Koulibaly. A noter que Kalidou Koulibaly a souvent été lié au PSG au fil des années, mais entre Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos, on ne semble pas avoir besoin de défenseurs à Paris. Koulibaly à Barcelone, ça chauffe vraiment de plus en plus. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que l'arrivée de Kalidou Koulibaly à Barcelone est vraiment une bonne idée? En tout cas les gars, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche. Ça reste et c'est logiquement, c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous les gars, j'ai envie de voir la prochaine et salut.